Salut les filles, donc aujourd'hui je vais vous montrer le système donc de la rope braid. Donc c'est une tresse, on enroule les cheveux sur eux-mêmes, ce qui va faire une tresse pas plate mais une tresse ronde. Donc le résultat est vraiment pas mal du tout. Et dès qu'on a chopé la technique, franchement ça va vraiment tout seul. Donc il suffit donc d'enrouler les cheveux sur eux-mêmes. Donc on va enrouler d'un côté. Également pour l'autre mèche. Et je vais passer par en dessous. De même, on continue à enrouler sans jamais s'arrêter. Il faut surtout pas que les mèches se déroulent, sinon ça ne tiendra pas. Je vous conseille de tenir avec l'autre parce que sinon c'est pas évident. Il faut vraiment que vous trouviez la technique avec vos doigts pour éviter que ça se barre, évidemment. Surtout si vous devez la faire derrière la tête, c'est un tout petit peu moins évident. Je pense qu'avec un deuxième miroir, c'est vraiment pas trop. Elle paraît difficile comme ça à faire, mais quand vous prenez votre temps et que vous enroulez bien d'un même sens, il n'y a vraiment pas de souci. Faut pas vous prendre la tête, si jamais ça va pas, vous arrêtez, vous reprendrez d'ici quelques jours. Au début, elle m'a un peu énervée, j'avoue. Mais maintenant, ça va tout seul. Et j'avoue qu'au travail, elle a déjà fait pas mal d'effets. On m'a déjà demandé comment je la faisais. Et elle est pas mal du tout. Le défi, mais qui saura la faire? Bien sûr, qui saura la faire parmi les filles qui ne savent pas la faire, évidemment. Sinon, c'est de la triche. Et voilà donc le résultat de la tresse. Magnifiquement bien enroulée. Et voilà sur le côté ce que ça donne. Donc après, je sais pas, bon, écarté, ça va faire plus large. Vous pouvez faire sortir quelques mèches, mais bon, je trouve que ça gâche un peu la tresse. Je préfère la laisser telle quelle. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu également. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto coiffure. Salut les filles!